きましょう。友達を連れてき。Ce micro qui se coupe à chaque fois, là, comment ça se fait? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit retard. On va commencer sans plus attendre. Bienvenue en tout cas à tout le monde sur ce petit live. Ah. Encore le même délire. Je sais pas pourquoi mes trucs se déco comme ça entre les... entre les lives. Ouais, voilà, il y avait juste à le reset. Pas de problème. Hop, alors ce soir, vous avez bien vu dans le titre, on continue sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors, normalement, lundi, on a Rainbow Six, Mister Demi n'était pas disponible. Et, ok, je peux obtenir des points platine, super. Et comme j'ai avancé un peu ce week-end dans mon coin sur Tears of the Kingdom, je voulais, voilà, un petit peu vous montrer ce que j'ai fait. Alors, vous vous doutez, hein, j'ai fait aucun truc en rapport avec les quêtes principales. Même les sanctuaires, je les fais pas, je vous les garde. J'ai juste farmé pour augmenter mes batteries. J'ai augmenté ma batterie de deux slots, donc deux slots complets. Hein. Quand je parle d'une batterie, c'est une batterie complète. J'y vais pas pour juste augmenter un cran. J'ai débloqué beaucoup de sanctuaires juste pour le TP, pour qu'on les fasse justement. On va commencer par là, je pense, pour se chauffer un peu. On va faire quelques énigmes. Et j'ai acheté quelques skins. J'ai trouvé le skin Gerudo. J'ai trouvé comment rentrer dans la boutique secrète Gerudo. J'ai pas pris tous les skins, comme on avait dit, hein, pour pas abuser au niveau des rubis, pour quand même simuler une sorte de progression. J'ai gagné beaucoup de rubis aussi. J'en ai gagné à peu près 1500. Donc je les ai dépensés. J'ai acheté beaucoup de flèches, du beurre, du lait, des conneries comme ça. Et comme ça commençait un petit peu... Alors pourquoi je suis mouillé, je ne sais pas. Il pleut pas. Admettons. Écoutez. Voilà. Et comme bah, j'ai pas envie d'avancer sans vous, voilà. J'ai pas mal de sanctuaires. Ici, au nord-est, surtout, j'ai exploré en fait les endroits de la map où on n'était vraiment pas allé. Ici, il doit en rester pas mal. Bref, voilà, hors caméra, j'augmente la batterie, donc j'ai farmé le sonium, tout simplement, en tuant des mobs, en tuant des batraciens géants, gigatraciens. Tout ci, tout ça. J'ai croisé des boss, je les ai pas fait. Le colisée, par exemple, avec les linelles, je l'ai pas fait. J'ai testé vite fait en combat et j'ai vu que je gagnais pas, du coup, je me suis dit, je vais pas insister, je le ferai en live. Etc, etc. Voilà, je vous réserve quand même le mode histoire, les quêtes principales pour le live.
Après, comprenez quand même que des fois j'ai envie de jouer à des jeux. Quand je suis solo, bah je joue à des jeux solo. Et voilà. On va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. On va aller au sud-ouest et puis on va faire le tour jusqu'au sud-est. Tout simplement. Et j'ai trouvé aussi une quête qui m'indique l'endroit du village Cocorico. Donc on va le faire aussi dans le live parce que c'est un des objectifs principaux que j'avais. Retrouver le village Cocorico dans la session de la semaine dernière. Et du coup là, on va y aller parce que franchement, j'ai trop hâte. Puis je sais qu'il y a des pièces d'armure dans le village. Alors, la flamme errante. Ah, mais c'est le fameux. Ok. C'est le fameux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre le petit puzzle. Je crois que c'était ça. Hein. Ouais. Ah, ça consomme la torche. Ça consomme la. Ah non, ça consomme pas la torche. J'ai rien dit. Ok. Et je pense savoir comment on va faire pour résoudre ce petit casse-tout. Tac. Ouais, quoique. Hop. On va faire le mouvement. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Ok. Et du coup, si on fait ça. Parce que j'y avais pas du tout pensé quand on avait commencé le jeu, j'étais pas habitué encore aux mécaniques. Il l'allume. Ok, il l'allume. Yes. Ouais, voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Il y avait sûrement une autre façon de le faire, mais. Et là, du coup, on va amalgamer la petite. Le petit bougeoir. Voilà. Comme ça, on pourra aller le séparer. Parce que j'aimerais bien avoir ce petit bougeoir dans une montgolfière. Vu qu'il ne consomme pas de batterie, contrairement au lance-flammes. Yes. Donc après, normalement, on devrait avoir sûrement trois nouveaux slots chez une déesse. On va prendre des deux, je pense. On va prendre un ou deux cœurs. On va prendre une barre d'endurance. Parfait. Donc, faut pas que j'utilise ma torche bougie. Faut pas que je la casse. On va la changer, hop, tout de suite. Let's go. Et puis il y a aussi l'usine de golem, si on a le temps, qu'on fera dans les profondeurs. Il y a, voilà, il y a pas mal de petits trucs qui me bloquent. Le pont sur le sable.
je fais quoi après? Ok, on va faire comme ça. Oula. Ouais, c'est trop dur ça. Putain. Saoulé toi. Voilà, merci. Ok. Ok. Ensuite, il faut activer une petite bouboule. Bon. Voilà, merci. Ah ouais. Ok, ok. Je vois pas trop comment on monte du coup. Link, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il agit comme ça le truc? Je suis pas un fan des sables mouvants dans le jeu. Je trouve que c'est pas très bien fait, ça sert pas à grand chose. C'est plus frustrant que... handicapant parce qu'on peut pas s'enfouir dedans. Hop, du coup on va quoi. Voilà. Ouais voilà, le sable mouvant, voilà. Ça sert à ça. Ça sert à... ça sert à être loup, ça c'est sûr. Ah, je peux plus le piloter. C'est sérieux? Ok. Voilà, sort de la Link. Ah. Ah ouais, ça l'a... Ok, ok, ok. C'est vrai. C'est vrai. Ok, on va le faire comme ça du coup. On va équilibrer le tout. Ah ouais, on va équilibrer le tout. Tac 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 tac. Hop. Ok, on le redresse. Ouh là là. Ouais, il faut que je l'équilibre. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça m'a l'air un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Ok. Ouais, ça...
On va en prendre qu'une, hein. On va en prendre qu'une. Qu'une, plutôt deux fois qu'une. Allez hop. Je pensais pas mettre autant de temps à passer ce sanctuaire. Bon, mais ça gêne le ventilo. Qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas bien. Dinguerie ce truc. Écoutez, on va le mettre en dessous, je sais pas. Tant pis, hein. Ça a pas l'air de le déséquilibrer à l'avant, on va voir. C'est une dinguerie. C'est quoi cette épreuve? Ah, je peux pas. Bon, j'ai une idée. Si ça marche pas, je vois pas. Si ça marche pas, je vois pas. Vraiment. Ça c'est chiant aussi quand ça indique pas le bon truc. Ah, voilà, après t'es obligé de tout refaire. Voilà. Et ensuite. Je vois pas, hein. Ouais, y a deux coffres à choper. Voilà, on tombe pas dans les sables mouvants, on se noie pas, qu'on a plus de... Je comprends vraiment pas à quoi ça sert. Oui, je vois à quoi ça sert de faire une force comme ça qui te pousse. Alors le délire d'endurance
qui tombe, je comprends vraiment pas. J'ai jamais été dans les sables mouvants, mais... Au contraire, je pense qu'il faut pas bouger, quoi. Ok. Et là... Pas me ralentir, ça fait pas grand chose. Je trouve ça plus frustrant, encore une fois, qu'handicapant. Hop. On va les coller les deux ensemble, on va voir. Hein. Voir ce que ça donne. Hein. Non mais c'est pas sérieux. Hey Link. Oula, oula, oula. Je vais me coincer là. Ah! Je te dis, je vais me coincer là. Ça sera ça avant. C'est laborieux. Il y a certains temples qui sont super bien pensés, il y en a d'autres. C'est toute une expédition. Ok. Est-ce que là je peux mettre une planche, s'il vous plaît? Bien sûr, elle se met pas au centre, c'est pas grave. C'est une planche de bois, les frères. Voilà, merci. J'ai mis un groupe de gorons à l'arrière, quoi. Ok. Ok. On va se bloquer comme ça pour le reverso. Et on va faire vite ça. Ça. C'est dingue. Mais... C'est mal pensé ce donjon. Je suis désolé, mais il est mal pensé ce sanctuaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est vraiment pas ouf. Saouler ça. C'est bon. Merci. Au revoir.
Mec, je suis teubé, quoi. Ouais. La boule est là. J'ai pas de batterie d'ailleurs. J'y pense là, mais. J'ai pas de batterie. Ok. Tendu du slip celui-là, hein, je trouve, hein, pour pas grand chose. Sérieusement, un truc que je peux acheter avec des rubis. Trop utile, les frères. Merci beaucoup. Ok. Ok, on est bien garé. On va se créer un pont. Ça, ça me semble plutôt logique. Du coup, j'ai pas la longe. Ça, c'est pas très sympa. Ok. Ok. Hop. Yes. Ça va, ça tient. L'autre coffre, on le fera pas. Je pense que c'est. On va avoir 5 flèches, ça va, merci. Yes! Et bah, c'était laborieux, un peu, hein, j'ai galéré. Ah non, j'ai pas trop galéré, mais. Yes. Tout ça mouvement, ouais, je suis pas ultra fan de cette mécanique. Justement, je vais dans les sous-sols de la vallée, de la cité, pardon, Gerudo. J'ai trouvé ça, bah ça, voilà, tout ce qu'il y a autour des temples, pareil, quand j'ai dû escalader et tout, j'ai trouvé ça, franchement, relou à souhait. Ok, ici on en a pas. Est-ce qu'on en a au centre? Ouais, on en a là. Ok. Ça, il faut le débloquer déjà. Il y en a aussi dans le ciel, sur les îles célestes. Il faudra faire ça. Ça va être rigolo.
Ça va être rigolo drôle. Ah, petit corps au goût, je l'avais pas noté. Non, la carte, s'il vous plaît. La petite feuille. On se fera des sessions Korogu aussi, vu que je les ai notées. On pourra se re-TP. À souhait. Hop. Yes. Yosh. Mais non, mais si. Ah, ce système de targeting là pour le build, il est chiant. Ok, on va sortir un petit gouvernail. Voilà. Wow. C'est pas over chiant. Des fois il y a des points, des fois il y en a pas. Quand je dis des points, c'est des points d'accroche quoi. Des fois tu le mets où tu veux. Je sais pas pourquoi tous les objets respectent pas la même règle. Soit il y a des points d'accroche, soit il y en a pas quoi. Mais... soit je le mets où je veux, soit je peux pas quoi. Ah, il y avait un gouvernail là, oh non, ils sont trop méchants, franchement. Ils sont pas cool. Il accroche littéralement le temple à notre machine. Et on est ici pas. Wow. Ça, c'est une maniabilité. De feu. Ah ouais, y en... ok, d'accord, il y avait un gouvernail en bas. Ok. Bah pourquoi pas alors? Oula, un loup. Bonjour le loup. Je suis pas sûr qu'on remonte la rivière avec ça. Hein. Une partie oui, mais genre là, là. Ouais, je vais passer sur le côté. Hop. Ah, ils sont gentils, ça va. Ils ont mis des petits trucs pour qu'on puisse grimper. Ça passe. Ah, ça passe, j'ai dit. Ah. Ah, bah non, ça passe pas. Bon, je pense que d'ici, de toute façon. Qu'est-ce qui t'arrive, Link? Je pense que d'ici, on peut simplement faire ça. Voilà. Oh là là, Link. Tu me désespères, Link, des fois. Oui, tout simplement, plus besoin du véhicule. Hop. Hop là même. Yes, maintenant faut faire le temple, enfin le sanctuaire. Très bien. Oh, c'était une quête secondaire. Oh. Ok. Je sais pas combien il y en a de sanctuaires au total. Ah, une bénédiction, bon, ça va alors. Okay.
Qu'est-ce que c'est que donc ça? C'est bien ça. Alors, toutes nos armes sont en train de péter. Qu'est-ce que je jette? Je vais jeter ça. Hop. Et par contre, on va la fusionner. Voilà. Hop. Tac. Youp. Youp là là. 34 en puissance. 49. C'est une bonne arme. C'est une bonne arme. À partir de 50, je considère quand même que c'est pas mal. En dessous de 50, c'est un peu pourri. Ça fait pas grand-chose. Je passe hein, les petites cinématiques, vous commencez à connaître. On en a fait plus de 40. Exactement. Et 25 racines, ça doit être des racines, hein, je suppose. 21 Korogu, il nous en reste 880. 880, quoi. C'est pas 120, c'est 880. Et non, ce n'est pas un chiffre au hasard, il y en a 900. Enfin, je pense qu'on ira jusqu'au bout de l'augmentation d'équipement. Pour avoir le gros caca Korogu dans l'inventaire, on s'en fiche un peu quoi. Par si effectivement cette fois ça donne un truc. Et encore, faire les 900 Korogu. Franchement, je suis pas chaud. 900 Korogu, c'est des fous. C'est des fous. Chute éphémère, alors. Non, on va pas utiliser ça, hein. On va utiliser la petite. Hop. Oh, easy. Ah non, pas easy. J'ai rien dit. Ok, on tombe, c'est pas grave. On n'aurait pas dû sauter. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut amener une boule. Faut emmener une boule. Ouais, c'est ça, on est la boule. Je suppose qu'il faut tirer au bon moment. Cette perfection du timing, hein. Un vrai chef d'orchestre. Un vrai chef d'orchestre. Frame perfect, quoi. Ça c'est pour que je décolle ou... Ah oui, ah oui. C'est très haut. C'est très très haut. Ok, ça c'est pour que je retombe dans la flotte pour pas me faire de dégâts, je suppose. Ok. Ok, on remonte encore. Pas avoir le vertige. Yes. Ok. Ok, d'accord. Faut aller beaucoup plus vite. Il faut sauter direct.
Je vais me laisser un peu de temps en la mettant en hauteur. Ok, on saute. Ok, vite, sort Link. Et je ne sais plus où est le truc. Super. Ok, il est là-haut. C'est un peu compliqué, hein. Celui d'avant, c'était bien. C'était fair. Ah ouais, mais frère, faut tomber aussi. Pourquoi quand je rush, elle tombe hyper vite et quand j'y arrive, elle. Et quand j'ai le bon timing, elle l'a pas. J'aurais. Ouais, j'ai voulu attendre 2 secondes. Ok. Bon, si elle a pas le même timing à chaque fois, ça va être relou. Aïe. Aïe, mes pieds, mes chevilles. Péter la cheville. Ok, on va recommencer. Cette fois, on va pas attendre les 2 secondes. Voilà, elle est partie. Sérieux. C'est pas sérieux, monsieur. Comment je peux faire pour l'attirer vers moi, là? Comment faire? Je sais ce que je vais faire. Simplement, on a grugé le sanctuaire. Fraude de lueur bienveillante. Blanchiment de lueur, monsieur. Vous savez combien ça prend? Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone là? Arrête de bugger. Ok, on l'a fait, Salt Willy. Sivaji Takio. Sivaji Takio. J'ai une marque de fringues. Ouais, moi je mets du Sivaji Takio. Sympa ton petit polo, c'est Meiji Takio. La clé du succès en plus. Voilà, Sivaji Takio, la clé du succès. Bon bah ça c'est une petite épreuve infiltration sympatoche, j'ai l'impression que ça va pas être bien dur.
Ça, je comprends. Comment? Ok. Ok, bah, fallait le dire tout de suite, monsieur, que c'était séparé les parties. Fallait le dire tout de suite, en fait. Celui-là, il y a une différence de niveau entre les sanctuaires, je trouve. Est-ce que c'est parce que c'est la route de l'aventure et du coup ils se disent bon, si le mec il vient de commencer l'aventure, il connaît pas bien les pouvoirs, peut-être qu'il est pas très loin du village Goron et du coup les devs se disent bah ça c'est une zone que le joueur il découvre assez tôt dans le jeu. Du coup, on le fait plutôt simple. Je vais parler plus près de mon micro aussi. Je me suis rendu compte qu'on m'entendait pas de ouf de ouf. Dans les rediffs, c'est pas hardcore. Hein, si on augmente le son, ça va, mais. D'ailleurs, je comprends pas parce que sur mon OBS, je suis bien, quoi. Mon son, il est pas en train de saturer, mais il est dans le jaune, quoi, quand je parle fort, donc en toute logique, ça devrait. C'est peut-être Twitch qui bride ça. Kimayata. Kimayata. Puis un peu flemme d'exporter des vidéos de 4 heures juste pour booster le son. Ah, combat sans équipement. Mise à l'épreuve. Ce sanctuaire dissipe le mal ancestral. Tu ne peux pas utiliser ton équipement ici. Oui. Combat des armées, démolition. On t'entend bien pour moi, ok. Alors c'est peut-être la rediff qui. Hop. En plein dans la gueule. T'es mort. Allez, donne-moi ton long gourdin. On va leur mettre des coups de bâton. Aïe. Après, il a beaucoup de vie, lui. Il a beaucoup de villes, monsieur. Je peux quoi? Je peux pas amalgamer un truc avec? Si, je peux amalgamer ça. Ah, bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, admettons. Votre long bâton va bientôt se briser. Ok, c'est pas mal. Ça a l'air général. Calmez-vous, messieurs. Ok. S'énerver comme ça. Non, je peux pas le péter avec ça. Oui.
Oui, vas-y Link, vas-y, tu peux le faire. Hop. Failli me toucher le monsieur. Ok, on amalgame ça. Normalement, je pense que. Ouais, voilà. Très bien. Très bien, monsieur, très bien. What? Ok, d'accord. Ok. Ils savent pas nager. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement. Ça va. C'était pas horriblement dur. Ça va. Ça va, ça va. Je prendrais bien la bouboule qui reste par contre. Je prendrais bien la bouboule qui reste. Voilà. Du coup ça. Non, pas ça. Ça défait l'amalgame. Hop. Voilà. On en profite d'être dans les sanctuaires pour choper les petites. Les petites pièces d'équipement pour faire des machines. Lame de colonel, 55 de puissance. Qu'est-ce qu'on enlève? Oh, la lame Boko. Parce que j'aimerais bien faire réparer mes armes avec les Octoroks. C'est un peu galère, mais bon. Il y en a certaines que j'aimerais bien garder. Ok, on a deux augmentations déjà. Ça c'est bien. On va en avoir trois, peut-être quatre avec les sanctuaires. Ouais, avec les sanctuaires célestes, on en aura quatre, c'est sûr. Ça fait déjà 1 heure de live. Hein. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Du coup, celui-là. Le labyrinthe, on le fera en dernier si on a le temps, parce que ça va être long, je pense. Utilisation alternative des armes. Plein d'armes en bois pour te servir. Ok. Merci, Captain Obvious. La Siwaka. La Siwaka. Eh. Armes et cornes de monstre. Le pouvoir de flottaison. Ça va être simple, je pense. Simple comme bonjour. Ouais. Ça paraît, on va la prendre. Il faudra même une deuxième, je pense. Ouais, j'aimerais bien que tu t'accroches. Ok. Les épreuves de flottaison sont jamais bien dures. Hein.
Comment ça? Tu t'accroches, monsieur? Pourquoi il veut pas s'accrocher? C'est une blague. Vous êtes cassé, monsieur, vous êtes cassé. C'est pas bien dur, hein. On va la mettre là. Ouais, on va acheter l'épée de glace, allez. Est-ce que ça marcherait pas avec ça? Voilà. Ça retournait le machin. Ok, fallait mettre les deux, mais vu qu'il y a le corps, ça a dû le compter comme la deuxième boule. Très bien. Par contre. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai pas une arme? Ah, Link. Link. Est-ce que j'ai pas une arme ou un bouclier? Je peux le mettre sur mon boomerang. Boomerang flottant. Très bien. Non, on va pas le mettre sur la baguette. Ah si, on va le mettre sur la baguette, tant pis, hein. Une baguette flottante, hein. De toute façon, après, on va aller voir le petit Goron, je pense, pour aller désamalgamer tout ça. Et pouvoir build des petites créations originales. Même si j'ai plus beaucoup de place dans mes favoris, je sais pas si c'est au... on peut l'augmenter. Dans le cas inverse, ça serait bien triste. Ah oui, ici il y a des bateaux pirates, faudra qu'on y aille. Sinaka Nakalka. C'est parti, ce type. Faut que je me rase, moi. Je vais me raser demain, je pense. Enfin, pour demain. Yes. On est d'accord que je l'ai, hein, ce sanctuaire là-bas. Ouais, ça aurait été bête quand même que je l'ai pas. Tisayan Akalka. Sinata Nikalka. La dyslexie... avec ces noms là. Ok. Toi qui es pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal reçoit cet enseignement. Ah ouais, super, il va falloir lancer l'arme par-dessus le mur. Passe dans le dos de l'ennemi sans qu'il ne te remarque, puis attaque-le par surprise. Ok. Aucune autre attaque ne sera efficace. Très bien. Oui. On va prendre ça, hein. Je manque d'expérience, limite à remarquer. Non mais merci. Ouais, merci.
Regarde ce que je vais faire. Oui, s'accroupir. C'est bien parce que tu apprends le jeu à tes joueurs, mais tu le fais mal. Voilà. Il est dans la fumée. Je le fais tous les jours à l'extérieur, ça, les gars. C'est bon. Bon, tu regardes à ta droite. Non mais c'est sérieux. Ouais. J'ai compris. J'ai compris. Moi avoir compris. Ça n'a aucune logique. Allez, on est reparti pour se taper le dialogue. Tu peux pas le passer, hein. C'est resetti le truc. Oui, oui, je sais. Faut que je m'accroupisse. Ça ne changera rien. Oui. On a juste de la chance qu'il regarde à droite. Voilà, c'est tout. J'aurais juste dû avancer vite. J'ai fait un meilleur travail de détection des IA dans mon jeu Swiss Knife. Ouais, j'hallucine. C'est chaud quand même. Franchement, Nintendo, c'est chaud. Là, normalement, il voit que dalle, on est d'accord. Bravo. Recommence maintenant. C'est tout de suite mieux quand il est en mouvement, hein. J'ai appuyé sur Y, frère. Tu manques d'expérience? Non, vous. Je crois que c'est vos codeurs qui manquent d'expérience. C'est vos développeurs qui manquent d'expérience, les frères. J'ai rarement vu un jeu Zelda autant mal peaufiné, quoi. Je suis sûr que si tu prends l'équipement Iga ou un équipement qui te rend presque ultra silencieux, il voit pas le mob. Il te voit pas même si tu es pas à genoux et tout. Donc, merci quoi. Oui, je maîtrise la technique. Non mais je sais, merci. C'est pareil que dans Breath of the Wild. Sauf que c'est encore moins bien branlé que dans Breath of the Wild. Épée de sonium. Alors c'est chiant qu'on ait commencé à récolter les trucs parce que j'aurais bien pris l'épée de sonium. Sursaut offensif, contre-attaque, charge rapide. Ça, on a les objets dessus.
Enlever ça, tant pis. Contre-attaque plus. On va voir, attends, on va faire un amalgame. Un objet du coup Sonao, on va prendre ça, hop. Bon, voilà, c'est elle que je veux. C'est toujours mieux la lame. Elle faisait combien? Parce que si elle fait 36... Ouais voilà, si elle fait 36 on s'en fout pour 2 points, hein. La durabilité c'est plus important. Ok. Chiant. Chiant. Oh, discrétion, ouais voilà, on aurait pris un remède silencio, le pauvre il nous voyait pas, on aurait pu rush le truc. Ok. C'est pas grave. On a une autre lueur, on est content. Oui. On va aller dans la petite spirale de sable. Et puis on va choper les autres qui nous restent. On finira par le ciel, comme j'ai dit. On finira par les temples célestes. Puis le petit labyrinthe, je me le garde pour plus tard. Si on a le temps dans le live, on le fera. Sinon je me le garde pour plus tard, on fera ça. On fera ça ensemble. J'ai mis Mika. Cette phrase hors contexte est très étrange. J'ai mis Mika. J'espère qu'on parle pas du chanteur. Force de rotation. Ah, ça c'est bien, on va pouvoir le choper ça. Ouais. Jusque là ça me semble pas fou. Voilà. Ça ça tourne. Ah mais ça aussi on va le choper. Plateforme, j'avais pas vu. Vu, j'avais pas vu. Ok. Coupe-toi, déteins-toi, l'anus. Calme, monsieur. Ouais, c'est à hauteur de turbine, on est d'accord. Ok. Ok, je pense qu'un suffisait. Hein. Je pense qu'un seul suffisait. Dans le doute. Dans le doute. Du coup j'hésite. Est-ce que on va pas sacrifier? Est-ce qu'on va pas sacrifier une autre arme? Pour choper la turbine et la batterie, enfin la rotateuse électrique. La bougie, je la garde, c'est sûr. Maintenant, est-ce que la boule de pique, on va pas l'enlever? Je pense que si, on va l'enlever. La boule de pique, on va enlever de l'amalgame. Et qu'est-ce que je pourrais sacrifier? Ça, de toute façon...
Non, ça, elles ont durabilité plus, je vais les garder. Défaire l'amalgame. Voilà. On va l'amalgamer. Hop. Oui. Je sais que ça va péter. Et le moteur, on l'amalgame à ça. Très bien. Ça respawn en plus. Si on voulait, on pourrait prendre encore plus de trucs. Parce que comme ça fonctionne à l'électricité, on peut mettre une entrée, comment on appelle ça, un émetteur d'électricité qui va drop beaucoup moins la batterie que si on mettait 2-3 turbines, quoi. Et cette turbine-là, elle souffle beaucoup plus qu'une turbine normale. Et si on couple ça avec une batterie électrique, on peut justement recharger la batterie électrique avec notre batterie Sonao, avec le truc l'émetteur de tonnerre du coup qui va ça là, comment ça s'appelle, qu'on ait le nom, le lance-foudre, voilà, le lance-foudre, on le colle au truc électrique, ça va le faire fonctionner, ça va dépenser notre batterie, mais si on met une batterie électrique, ça va la remplir avec le lance-foudre. Et du coup, quand notre batterie Sonao elle va arriver à zéro, la batterie électrique va prendre le relais, le temps que notre batterie Sonao se recharge. Et on peut avoir comme ça des véhicules qui n'ont pas vraiment de limite d'autonomie. Bien sûr, ça en a. C'est comme dans la vraie vie, l'énergie infinie, c'est pas aussi simple. Mais voilà, virtuellement, on peut quand même avoir des véhicules qui durent des demi-heures et des demi-heures. Simplement parce qu'on lâche le guidon quelques secondes. Donc, le temps que la batterie électrique se vide, notre batterie Sonao est déjà rechargée. Etc. Utukzoki. J'ai pu avoir beaucoup d'armes à utiliser, n'empêche. Hein. Alors qu'on a vite voir ce petit goron. La verticale et l'horizontale. Bon, jusque là pas trop de mystère. Coup de pied au cul. Allez, file maintenant la boule. Voilà. Pas trop de mystère, ça va, c'est pas... Voilà, ça va être pareil, non? Oula. Il a du mal. J'arrive pas à le pousser plus. Ok, c'est pas assez, il faut mettre ça derrière. Pour que ce soit plus lourd. J'imagine. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Ce qu'il s'agit. Allez, couteau au cul. Oh, ok, il coince. Yo Théo. Comment ça va? Sois pas tranquille. Ça va tranquillement. Alors non, c'est à ça que je veux le coller. Voilà. Merci bien. Itou, itou. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Fatigué, mais on est fidèle au poste. Un peu la même, je t'avoue.
dormir 4 heures. Mais non, mais moi je voulais le trésor. Bon, tant pis. Donc c'était 5 flèches. Dormi 5 heures, pareil, je suis un peu éclataxe. Je pensais reprendre la semaine en pleine forme et au final. Entre les migraines et les insomnies ce week-end, c'était bien glope. Mais bon. Tant qu'il y a le moral et la santé, ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Putain, je parle comme Jean Lassalle depuis tout à l'heure. C'est un chien. Il est où, c'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. Il te manque plus que le pif. T'as fait quoi pour avoir ça, une migraine? Bon, je sais pas. Je sais pas. C'est venu comme ça. Ouais. Ça m'a réveillé en pleine nuit et j'avais mal au crâne. Tout simplement. Réveillé à 6h du mat dimanche. Dimanche ou samedi? Non, samedi. 6h du mat samedi et se passer vers midi 13h. Super pour te décaler d'ailleurs. Bon, ça va être plutôt simple. On le voit d'ici, le petit cristal. Mais comme je dis, tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a le moral, tout va bien. Oh ouais. Qu'est-ce que tu brûles la pelouse, Link? Exactement, yes. La positive attitude, comme dirait une très grande chanteuse. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Ce cristal est à moi, alors laisse-le où il est, je te prie. Non, mais il est pas à toi. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à mettre un rayon de lumière. Oh, désolé, tu désirais? Ici, c'est un endroit idéal pour apercevoir des troupeaux de chevaux sauvages. Et je te cache pas que je suis moi-même un amoureux des chevaux. Je suis venu ici rien que pour eux. Mais écoute plutôt ça, avant de trouver les chevaux, j'ai découvert quelque chose de très intrigant. Un peu plus bas, le flanc de la montagne s'est en partie effondré. Pas loin du sanctuaire de pierre, tu vois où? Moi je dis qu'il faut l'attraper avec ton pouvoir et la jeter loin. Ouais, bon, ouais, on va même marcher avec, je pense. C'est là que les ruines sont tombées et j'ai trouvé cet étrange cristal. Dès que je l'ai vu, j'ai eu une idée. Un cristal aussi étincelant. Si je m'en servais comme parure pour un cheval, ça lui donnerait un air majestueux. Mais est-ce que je devrais m'en servir pour ronner la selle ou bien le harnais? Qu'est-ce qui serait le plus élégant? Je vois, non seulement t'aimes les chevaux, mais tu veux aussi parer ta monture favorite de Shriltal, c'est ça? Je te comprends, mais tu te rends bien compte que je ne peux pas te le donner juste par bonté de cœur. Oh, attends un peu. J'ai entendu dire qu'un cheval d'une taille gigantesque avait été aperçu dans la région. J'aimerais beaucoup le voir de mes propres yeux, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le trouver. Et donc, je vais te demander ton aide, d'un amoureux des chevaux à un autre. Si tu amènes ce cheval géant jusqu'ici, je te donnerai le cristal. Je parle du mec... Ah ouais, franchement, j'ai bien envie de le brûler, ouais. Mais chercher ce cheval sans le moindre indice serait sûrement difficile. Tu devrais aller faire un tour dans un relais voisin. Si tu suis la route vers l'est, tu tomberas sur le relais des Alpages. Beaucoup de gens se rassemblent dans les relais. Tu entendras peut-être des informations utiles. Non mais il est sérieux. Un cheval d'une taille gigantesque. D'accord, bon, on va en faire un autre, hein. J'ai pas envie d'aller chercher un cheval là, les gars. Je vous le dis, les monstres. Ok, du coup, on va passer au temple céleste. C'est nul comme quête. Ouais, franchement, on va attraper un cheval. Merci, mais non merci. Je la ferai plus tard, quand on aura fait beaucoup de sanctuaires, qu'il nous en restera quelques-uns. Parce que là, franchement... Trouver un cheval, ramène-le-moi.
Déjà, quand j'ai cherché tapioca l'autre fois, c'était pas easy, alors pourquoi ça chauffe comme ça par contre la Switch là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le petit son là que vous avez, la petite distorsion du son, c'est parce que ma Switch chauffe. Ok, il faut battre le golem. Ouais, voilà, ces petits sautillements bizarres là. Ça me le fait aussi quand je joue sur la télé. C'est très très bizarre. Mais ça le fait pas avec les autres jeux. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Et puis on prendra un véhicule. Tiki 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 tiki. On va battre le golem du coup. On va devoir battre le golem. Golem Max Ultime, ouais je l'ai battu l'autre fois. Les dégâts de folie. Ça m'énerve ces bugs de son. Ouais, c'est pas assez. Ça le fait encore plus que d'habitude, je sais pas pourquoi. Oh là là, j'ai raté. J'ai raté. Super. Je vais peut-être redémarrer le jeu pour voir faire un petit test. Bonjour. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a la gravité en fait qui est faible et c'est un peu relou je trouve pour les golems. Ok, il est mort. Il a mouru. What? Ouais, voilà, il restait 2 coups, ça aurait été dommage. Quand même. Yes. Moi j'ai très froid. Ça j'aime bien, mais à force j'ai plus d'endroit pour amalgamer. Hein. Tant pis. On viendra le rebattre si le drop à chaque fois, c'est pas bien grave. Ok, alors on a des petits ventilos. Qu'est-ce qu'on a autour? Est-ce qu'on a une petite plateforme? On a encore des ventilos. Bien. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas où tu pouvais faire ça. De remonter le temps comme ça, ouais. Il y a des trucs stylés à faire avec cette technique. Truc stylé. Je fais ce temple, on va sauvegarder, on va redémarrer la Switch, hein, parce que je sais pas ce qu'elle a là, non. Ça va aller, merci, non? Ouais. Bah, easy, hein. Si je me prends une Switch, je suis obligé de me prendre les Zelda. Ouais, c'est un peu incontournable. On a augmenté notre batterie, j'ai plus trop peur qu'on tombe là.
qu'on tombe à plat aussi rapidement maintenant. Même s'il y a 4 ventilos quand même. Ouais, c'est ce que je disais, il y a 4 ventilos quand même. Voilà monsieur. Ouais, incontournable. Il y a le Mario Odyssey aussi, je me chaufferais bien de le prendre. Maintenant, faire un let's play Mario Odyssey 5 ans après la sortie. Ça intéresserait personne, mais pour y jouer solo, ce serait cool. Sanctuaire de Tabantar. Il y a le Advance Wars là que je vais prendre, je vais peut-être faire des petits let's play dessus. Et puis il y a le prochain Super Mario. Super Mario 2D là qui a l'air super cool. Un diamant, très bien. Ça fait 500 rubis dans la poche. Donc je vais sauvegarder, je vais redémarrer ma Switch. Voir déjà si ça règle le problème. Ou si c'est vraiment parce qu'elle est trop chaude. Je parle de ma Switch. Ok, on l'a fait. We did it. Déjà, il y a les Mario, Zelda, Smash Bros. Ouais. Après, ce Smash Bros, je suis pas été autant convaincu. J'ai commencé avec le premier sur 64. Bon, gros fan. Et j'ai pas été convaincu par celui-là. Ok, sauvegarder. Tac. On quitte. Je redémarre. Si mes nunchucks et Joy-Con veulent bien se reconnecter. Est-ce que ça enlève le problème? J'espère Albert. Mais elle est cool dans l'ensemble la Switch, j'aime bien. Sanctuaire de Ganossa, bah c'était pas Tabanta. Ah oui, non, le sanctuaire des hauteurs de Tabanta. C'est la région de Tabanta. Ok, on va voir tout de suite hein, si ça fait des bugs de toute façon. Ouais, ça continue, c'est parce qu'elle chauffe. Soit c'est ça qui chauffe, soit c'est ma carte d'acquisition. Mais... Non, même pas. La Switch est plus chaude. Écoutez, je suis désolé hein, pour les petits sons en mode vinyle comme ça là. Je regarderai de plus près pourquoi ça. Miami. Et c'est pareil, il y a un truc à aller chercher. C'est un peu plus loin. Bon, s'il y a une machine dans le même genre. Ça devrait le faire. Ah, c'est encore un golem. Bon. On est reparti pour un combat de golem. Ah oui, au moment frame où on le voit plus quoi. Ah, je l'ai tué. Ok. Convoyeur autoguidé, trop bien. Oh, c'est trop bien ça. C'est trop bien. C'est énervant ces petits trucs de son là, waouh. Convoyeur autoguidé, je suis trop content. Ça c'est un appareil qui va tout droit sur les monstres. On va pouvoir faire des machines customisées. Ok.
C'est cool, ouais, tu peux mettre des lance-flammes, du coup, des... Plein de trucs, des lance-flammes, des canons, des lasers, toutes ces conneries. Et quand tu l'accroches, le mob va automatiquement aller... Enfin, le mob, le robot que tu vas faire, du coup, va automatiquement aller sur les monstres. Ok. C'est une bonne idée, ouais. Et il y a un truc aussi qui regarde tête de golem, qui regarde automatiquement les monstres. Du coup, il y a moyen, ouais, de faire des robots autonomes, j'ai envie de dire. Ok, avec l'inertie, ça devrait être large suffisant. Oui, c'est large suffisant. Peux-tu t'arrêter par contre? Ah, parce que là je suis pas sûr de... Je vois pas bien où c'est quoi. Attendez, attendez, je vais regarder, je vais mieux le checker parce que j'ai pas envie d'y aller à l'aveuglette comme ça là. Oh, ça m'a l'air bon hein. Quand je fais comme ça m'a l'air bon. Hein. Allez, on croise les doigts. Yes, parfait. Presque pile poil même. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Une petite lampée de Vittel. Toi qui présentes ce cristal en offrande, reçois la lueur qui chasse le mal. Les bouchons de Vittel, ils sont horribles. Ah, merci. Ah, leurs bouchons là qui se décollent pas. Je sais que c'est pour la planète, mais. C'est un enfer. Ouais. Ne m'en parle pas, ouais. Il y en a qui le font bien, genre la cristalline et tout, ça va. Parce que c'est des petits bouchons et que du coup, il y a ce côté levier, pression, donc ça va. Mais dès qu'il faut visser, c'est un enfer. L'autre fois, j'ai cru que j'avais bien vissé. Elle est tombée à l'envers sur moi. Ça m'a coulé partout, genre, la bouteille s'est renversée sur moi. L'enfer. Baguette magique, non, on la prend pas la baguette. Hein. On viendra la chercher plus tard. Ça a tué mon chargeur 65 watts et failli niquer ce que j'avais dans ma trousse d'info. Ouais. Non mais c'est nul. Quand tu mets dans un sac, t'as l'impression que tu le fermes mal si la bouteille elle se retourne dans le sac. Tu t'en mets partout dans ton sac. Le sac il est niqué. Non, c'est de la D, c'est vraiment nul. Quand c'est bien fait, tu le laisses, mais quand c'est mal fait comme ça, genre retravaille dessus ou arrête quoi. Clé USB adaptateur, câble USB, HDMI, ah là là. Hardcore, le seum. Ok, on a Joe Siu, pardon. Je crois qu'il va nous en rester un du coup, on va en avoir 15 de lueur. Bah plus jamais je mets une bouteille avec ce bouchon dans mon sac, pareil. Same. Ouais, on va avoir 15 lueurs, du coup il nous en manquera une. Et on pourra augmenter donc de 4 si je sais compter. Ok. Il est. Oh, j'avais pas vu ça. Je sais ce qu'il faut faire.
Bon, je sais ce qu'il faut faire. Non, je crois que je me suis mal pris. Parce que là, ça va nous permettre d'y aller. Ensuite, il faut qu'on puisse aller chercher le cristal. Mais il faut qu'il reste assez longtemps pour qu'on aille chercher le cristal, qu'on revienne. Et qu'après... Voilà. De toute façon qu'on a une distance illimitée hein, avec le reversal. Ok, et genre là. Voilà, retour en arrière. Oh non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. D'habitude, ils mettent tellement de temps à démarrer les objets que... Je me suis dit, j'ai une petite seconde. Non, là, c'est... Direct. On va le refaire, c'est pas grave. Je pense que c'est la solution. Des fleurs radieuses, des fruits d'oiseaux... Ok. Tac. Donc, hop. Hop. Ok. Ok. On passe là. Direct dessus, ça sert à rien. Voilà. On va prendre des petites fleurs radieuses pendant qu'on est là. Les petits fruits d'oiseaux. Les petites pommes. Ah, il y en a beaucoup. Alors, j'ai un petit truc pour ça. Venez à moi, petite pomme. Venez à moi, petite pomme. C'est pratique, hein. Ça va plus vite. En tout cas. Ok. Jusque là. Tutto va bene. On va le poser à l'abri, j'ai pas envie qu'avec l'inertie de la plateforme, il vole dingue à l'autre bout de la galaxie. Désolé pour ces... Peut-être qu'il faut que je change le herzage de mon son. Je suis en 48 000 Hz, mais je suis pas sûr que c'est... Non, je sais pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais au final... Et j'ai vu qu'il y avait un coffre en dessous, je crois. Attaché aux lianes. On va voir ça. Hop. Ah, tu vas monter le coffre? Je peux pas monter le coffre. Je suis sûr que c'est rien du tout. Hein, mais... Ah
Ah oui, on peut le faire comme ça, mais je suis bête, moi. Ok. Bon, on le chope là, le coffre, alors. Ah oui, non. Voilà. Est-ce qu'on a la longe? Non. Oula, c'est bizarre. C'est pas comme ça que je le voyais. Ouais, légèrement. Voilà. Qu'on ait accès au coffre. What? On a une allonge vraiment. What? Ok. Merci. Qu'est-ce que c'est? 5 flèches? Une vieille carte. Pourquoi pas? Je sais pas trop à quoi ça sert. Aïe. Faisons le temple. Je reprends une gorgée, putain. Stay hydrated. Sanctuaire céleste de Nekludanor. Je crois que les sanctuaires célestes, on les a pas tous, mais on les a presque tous. Une bénédiction de Raoru. Ça c'est bien ça. C'est bien. J'aime beaucoup même. Ok, nous en manque une, du coup on va faire un temple, on va faire celui du labyrinthe. Mais on va pas faire le labyrinthe. Le labyrinthe, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous le garde pour plus tard. Là on va. En plus ça fait 1h40 déjà qu'on est en live. Ce serait bien qu'on arrête les sanctuaires, qu'on avance un petit peu. Très bien. Je crois que j'ai plus de sanctuaires à faire dans les hauteurs. Non. Espace aérien Gerudo. Il y a sûrement un sanctuaire là. On verra plus tard. On va aller faire celui-là du coup, mais juste le sanctuaire. Ikazuk. Juste le sanctuaire et le labyrinthe. On les fera tous, je pense, d'affilée. Parce que là, il n'y aura pas le temps. Du coup, on se les fera tous. J'irai hors caméra. Chercher les autres sanctuaires pour les labyrinthes. Et puis on fera ça lors d'une session. Parce qu'ils ont l'air différents de Breath of the Wild. Il y a l'air d'avoir d'autres choses à faire. Et puis c'est cool, ils ont quand même recyclé. Et qu'à moitié, quoi. C'est une bénédiction. En plus. Parce que c'est pas fou. C'est bien. Ok, bon, on va aller trouver une déesse. Une déesse, une statue de la déesse. Déesse Ilia. Et on va augmenter, je sais pas.
Deux fois l'endurance, deux fois les cœurs. Ça me semble plutôt faire. Ça me semble plutôt faire. Je vais aller village Piaf, puisque je sais où elle est. Je sais où elle est, la statuette. Gerudo, c'est dans les sous-sols et tout, je sais plus exactement où c'est. Goron, je crois que je l'ai jamais vu. Et puis Zora, elle est un peu chiante à attendre. Je suis plus trop sûr d'où elle est. Que Piaf, c'est à l'entrée du village, on peut pas la rater. C'est plus pratique. C'est chiant ce son qui ondule là. Bonjour. Toi qui as surmonté les épreuves, obtenu des lueurs bienfaisantes, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Déjà endurance, on est des deux barres. Yes. Aucun anneau de barre tendu. Tu sens posséder d'autres lueurs. Oui. Cœur. Deux cœurs en plus, ça va pas être du luxe, hein. Un autre cœur et puis on va prendre la barre d'endu, je pense après. C'est relou ce son là. Relou. Je veux plus d'endurance, oui. Yes, ça y est, on commence à avoir de l'endu. Hein. Alors j'ai fait les trois dragons élémentaires, je sais qu'il y a le dragon du ciel aussi, on pourrait le faire peut-être avant le déco. Histoire de voir ce qu'il donne comme, comme écaille et comme pouvoir avec ses dracos roches. Alors je vous avais dit que je voulais qu'on fasse village Cocorico, déjà avant tout. C'était quelle quête conduit-moi aux ruines, non. Quel secondaire. Les plans du grand Koga. Ah, c'est indiqué. On peut aller chercher Koga aussi. Un message, voilà, c'est ça. Le mec veut qu'on aille au village Cocorico. Et du coup, le village Cocorico, il est ici. Ok, on le voyait sur la carte. C'était des maisons, c'était pas des rochers. On va mettre la petite lumière bleue. On va s'en approcher du coup. Voilà. Hein. Comment je l'ai pas vu? Comment j'ai fait pour mettre autant de temps à savoir où il était ce village? I don't know. I don't know. Ah. T'étais pas attentif. Ouais, je sais pas. Money, money, money. Non, je vais me catapulter.
Donner du tanche. Alors c'est cool d'avoir l'endu, mais alors quand on va être à court d'endurance et que ça va, on va devoir attendre qu'elle monte, ça va pas être rigolo drôle. Est-ce qu'on l'a fait ici? Ouais, on a tout fait ici. Pas le dragoon. Je vois pas le dragoon. Ouais, on va au bon endroit. Hein. On va faire une petite pause ici. Qu'est-ce qu'il y a comme gacha d'ailleurs? Parce que j'ai plus beaucoup de torpilles et j'ai plus beaucoup de montgolfières. Ah bon, c'est pas. Eh ben, on va découvrir ça. Je vais le faire 2-3 fois. On a des canons, on a des ressorts, on a des bombes, on a des miroirs. C'est pas ouf. C'est pas ce que je recherche en tout cas. C'est ça, bombe, ressort, miroir. Planeur, ok. C'est pas oufissime. C'est ça, y'a que ces 4 là. C'est pas oufissime, oufissime. C'est pas grave. On va aller faire le sanctuaire. Comme ça, on en a fini avec nos sanctuaires pour ce soir. Makasula! Et on est à Cocorico, les gars, putain. On est à Cocorico. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone en PLS. Ah, pardon. Je me bouge. Ok. Alors, j'ai pas vu le titre, mais c'est pas grave, on va deviner ce qu'il faut faire. Je suis pas sûr. Ça marche pas, ça, on est d'accord. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure dans le temple avec le sable? Bizarre. Ok. C'est plus comme ça, je pense. Si je comprends la logique. Yes. J'ai compris la logique. Ah oui, ok. IMTB, pardon. IMTB, pardon. Ah non. Pas assez. Ah! Il me tombe dessus. Ça du coup moi j'imagine ça. Non hein. bizarre. Non, pas bizarre en fait, je
Hop. Voilà, on peut faire ça en fait, c'est tout simplement. Ça, on le met là. Oh. Pas de caprice, Bouboule. S'il te plaît. Hop. Et la catapulte. Oh, Germaine. Comprendre. Voilà, j'ai juste à y aller moi en fait. Pas besoin de boules. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va se faire une giga catapulte de l'espace. On va faire ça mieux. Ça veut pas. Ouais, de toute façon on peut pas. Simplement. On s'oriente bien. Ouais, je pense que peut-être sans le truc, on serait pas allé si loin. Très bien. Okidoki. Du coup, allons explorer le village Cocorico. Je pense qu'on va finir sur l'usine de Golem. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs qui m'empêchent d'avancer parce que je veux le faire en live. Par exemple, Cocorico, je voulais le faire en live. On a tellement parlé du village Cocorico. Je voulais le faire en live. On va enlever notre petit repère, ça sert plus à rien. Yes. C'est ça que je veux faire, voilà. Soit RP. Qu'est-ce qu'ils nous vendent ici? Oh! Œil de Kakuda. Aile de Kakuda. Et des flèches, on va prendre des flèches. Ah. J'achète tout, je prends tout le stock de flèches de ce village. Yes. Merci bien. Il y a une autre boutique. Ah, c'est des légumes. C'est la boutique alimentaire. Bienvenue. Ah, il n'a rien à vendre. Hi. Bienvenue jeune homme. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les deux bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser les monstres qui occupent le vestige circulaire coincé là-bas dans les hauteurs à l'ouest. Et tant qu'ils ne sont pas revenus, moi je me retrouve avec des étalages vides ou presque. Ils sont tous les deux plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, je finis par me faire du souci pour eux, mais je ne peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent.
pardon de te tenir la jambe avec mes histoires. Que puis-je pour toi? Repasse quand tu veux. Ouais, bon, t'as qu'un œuf, chouchoune. Je vais te le laisser, hein. Ça, c'est la petite auberge, on en a pas besoin pour l'instant. Oh. Pourquoi ils sont si hauts? Quoi de neuf? Tu es venu visiter les vestiges circulaires? Je suis là en touriste, moi aussi. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir t'être très utile. Si tu veux en savoir plus sur ces vestiges, adresse-toi au groupe d'archéologie Sonao ou à la chef du village. Tu les trouveras sans doute près du vestige circulaire qui flotte dans les airs, du côté nord du village. T'es un touriste? Je suis un touriste, tu sais. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas par ici... Et j'ai entendu dire qu'il y avait par ici des vestiges uniques en leur genre, pardon. Ce sont ces étranges ruines en forme de cercle. On en a retrouvé de... On en a retrouvé de pareils nulle part ailleurs. Très français cette phrase. Il paraît que dans 4 de ces 5 vestiges circulaires tombés du ciel, on a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout le chemin jusqu'à ce village pour les admirer. Je voudrais pour rien au monde rater ça. Mais j'ai terriblement le vestige, j'allais dire. Rien que de monter à l'étage dans une maison, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Et malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance. J'ai pu voir de près les vestiges circulaires flottant au-dessus du village, même si l'accès en est interdit. Mais pour les 4 autres, je n'imagine pas pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur ces fameuses dalles de pierre que l'on a trouvées à l'intérieur. J'ai mal lu, je suis désolé, mais j'ai rien compris à ce qu'il me disait. Vraiment, j'ai rien compris de... Qu'est-ce qu'il voulait au fond, quoi. Tiens, Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a amené jusqu'à moi, n'est-ce pas? Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en Irulien ancien que tu as rencontré au fort de Guay. Est-ce que ceci t'intrigue, Link? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de Guay. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en Irulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et Dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Cela veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il y en a 13 Sonao. Il y a 12 stèles Sonao à retrouver, pardon. Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pourrions en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Ok, on la reprendra. Sois pas du tout que tu es fatigué, merci. Bien sûr, je saurai te récompenser comme il se doit. Non, ça va, celui-là je l'ai lu bien, c'est le précédent qui était un peu brouillon. Avec des phrases même pas français. Si les phrases sont pas en français, excusez-moi, hein, mais... Ah, la tenue chez Ika. Et c'est quoi ça? Combinaison Nox? Cette combinaison colorée à la poudre de gemme Nox arbore un motif de squelette visible uniquement dans l'obscurité. Ouais, 5000! Et 5000 la partie! Mais c'est une blague. C'est pas 5000 rubis la partie, c'est une blague. C'est une blague, madame. What?
5000 rubis. Pour Naël, vole-les. Ah mais c'est chaud, 5000 rubis, j'en ai 10 000. J'ai utilisé le glitch de duplication. C'est un truc de taré. C'est un truc complet de taré là. Je suis désolé, mais 5000 la partie. Imagine en étant legit, ouais, mais c'est hardcore là. Je suis venu au village Cocorico pour l'armure et je repars sans parce que c'est à 5000 l'unité quoi. Non, mais même une partie, je la prends pas quoi. Là, franchement, à ce prix là. Je vais refaire le glitch de. Juste pour acheter l'armure chez Ika, quoi. Ouais, c'est chaud. Allez voir Impa. Bah, elle est pas là, Impa. Ah. Là, clairement, t'es obligé pour éviter 4000 heures de farm. Ouais, on est d'accord. 5000 rubis. Genre là, le petit truc, je sais plus comment il s'appelle, là, le gloomy. La petite créature bleue là. J'ai chopé quoi, 40 rubis en la tapant, genre. Je vais peut-être vendre des trucs aussi, parce que je dois avoir pas mal de composants, mais jamais de la vie je me fais 5000 rubis. C'est déniqué. Et lui, du coup, c'est quoi cette icône? Ok, je dois lui ramener des photos et à chaque fois il m'en aura une récompense, j'imagine, différente. Peut-être des armures, on va voir. Achète-moi des trucs, s'il te plaît. Bienvenue, pardon, je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seule de la boutique pendant que ma petite sœur Amboise veille sur mamie. Nous en sortons en nous partageant les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolé, je sais que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Non mais c'est déniqué, genre, je m'en fous de ta grand-mère. Même si j'avais besoin que quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça, je dois me ressaisir. Pardonne-moi, je te souhaite la bienvenue aux quatre petites mains. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Gouttier, tu n'en trouveras qu'au village Élimite, au sud-est d'ici. Mais la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien à leur envier. Mais non, je pensais que c'était en promo. Il faut tuer 125 de ces trucs bleus pour 5K. Ouais, c'est un truc dans le genre, ouais. Faut placer le qui a demandé, ouais. Mamie souffre d'un mal étrange qui l'empêche de quitter le lit. Ma petite sœur Amboise s'occupe d'elle. Avant que mamie tombe malade, Amboise devait se rendre au village Élimite, au sud-est, pour y étudier la mode. Mais par amour pour notre grand-mère, elle a préféré mettre son rêve de côté pour pouvoir prendre soin d'elle. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Ah désolé, besoin d'autre chose? Ils sont à l'étage. J'imagine que ça veut dire non. Bon, on va chercher la grand-mère. Hein. J'ai envie de placer le tien la vilaine, franchement. Quand je vais lui payer le truc, je le place. Ok, les maisons sont vides. Plaisir. Ce n'est pas encore ça. Ah bah elle est là. Que faire? Je dois absolument y arriver. Sans cela, mamie risque de... Cani doit s'occuper de la boutique de vêtements. Ah non, il n'y a que moi qui puisse trouver un remède pour guérir mamie. Tu es venu visiter notre village? Bah, peu importe la raison de ta présence. C'est à propos de ma grand-mère. Elle a été en contact avec ces horribles miasmes et depuis, elle est malade. C'est à peine si elle est encore capable d'avaler un gruau aux légumes. Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes afin de le mélanger avec son gruau, mais je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette de gruau aux légumes qui guérisse mamie. Le miasme.
Non mais je sais ce que c'est. C'est le plat préféré de mamie. Pour en préparer, il faut du riz, du lait frais et des légumes. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça va très bien ensemble, le mélange est même étonnamment bon. Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route à l'ouest. Je ne risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes. Mon seul problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. J'essaierai d'autres recettes de gruau aux légumes jusqu'à trouver celle qui guérira mamie. Ok, bah il faut qu'on lui fasse un gruau aux légumes. Ça, je l'aurais tué pour éviter de chercher à trouver un remède. L'héritage. Allez mamie. Il faut y aller maintenant, c'est l'heure. Alors, il faut du lait. Du riz, j'en ai pas. Et des légumes, bon ça les légumes, j'ai des tomates. Je pense que c'est considéré comme un légume. J'ai des gousses. Donc il me faut du riz. Le problème, c'est que il y a plus. Il y a aussi la quête à faire parce que les marchands de l'épicerie sont partis en expédition. Et du coup, ils sont parvenus, la vieille elle se retrouve sans stock. Elle a plus qu'un œuf. Donc on va aller au village des limites, acheter du riz. Putain. Link le cuisinier quoi. T'as bien mis mon nom pour la boutique. Comment ça? Ah oui, mamie, t'as bien mis mon nom pour la boutique sur ton testament, c'est bon. Faut rire. Ouais, faut rire. Horrible. Horrible, mais y a tellement des gens comme ça en plus. Je prends tout ton stock de lait frais. Ouais, je me disais 5000 la pièce d'équipement. C'est un petit peu abusé, quoi. Oh. Boisseau de riz. Oui. Ah, moi les carottes. Waouh. 160 rubis, c'est cher quand même un peu tes carottes, frérot. J'espère qu'elles sont bonnes, hein. Tu vas causer la famine. Ouais, j'ai vidé les boutiques de tout Hyrule. Pour sauver une grand-mère. J'affame tout le monde pour une grand-mère. Ouais, mais elle a la pro... c'est la clé pour la promotion de mes fringues, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous. Si je peux déclencher des soldes d'été comme ça, let's go. Qui allait mourir d'ici 2 mois de toute manière, mais oui, c'est trop ça. C'est pas sa sœur qui est malade, genre. Pourquoi c'est pas sa sœur, genre? Ma sœur est malade, j'aimerais que tu la sauves. Bah ouais, ouais, normal. Ma grand-mère est malade. J'ai envie de dire... quelle grand-mère n'est pas malade, quoi. Ok, on prend deux carottes... Non, pas deux carottes, du coup. Carottes, riz, lait. Et fleurs radieuses. Gruau aux légumes. Non, il en faut deux, du coup. Deux fleurs radieuses. Y'a moyen de gratter un bisou avec la sœur en même temps. Ah mais j'ai une femme, ça y est, moi, dans le jeu. Faut que je vous la montre, elle me fait des plats et tout, genre. Trop marrant. Et du lait. Ouais, je pense qu'il faut deux fleurs radieuses. Masterclass. IRL qui s'est cuisiné, putain. C'est un fou. Je comprends pas. Poêlé végétal Solaris. Ça, je comprends. C'est trop dur de faire des plats bien. Bah ouais, mais c'est surtout comment je fais un gruau aux légumes Solaris.
riz, légumes et lait. Donne-le à la fille de Tala. Ah, c'est toi, tu es venu parce que tu t'inquiètes pour ma grand-mère. Si j'avais su ce qu'il se passerait, je ne l'aurais jamais laissé rejoindre ce groupe d'archéologues Sonao. Comme ça, elle ne se serait jamais approchée des miasses et elle ne serait pas tombée malade. Le gruau aux légumes est la seule chose qu'elle arrive encore à avaler. Je cherche un ingrédient qui puisse guérir le mal des miasmes. Alors j'en ai essayé plusieurs, mais aucun n'a fonctionné. Elle qui doit le faire, bah non, visiblement. Peut-être en utilisant des champis célestes. J'en ai plus, si. Peut-être que les champignons célestes. Gruau aux légumes tempo, ouais, non, rien à voir. Tester ça avec gruau légumes Solaris. À chaque instant qui passe, la santé de mamie continue à se détériorer. Je dois me dépêcher de lui préparer un gruau légumes qui guérisse le mal des miasmes. Est-ce que c'est le parfum délicat d'un gruau légumes que je sens là? Se pourrait-il que tu aies trouvé une recette susceptible de guérir le mal des miasmes? Comment est-ce que ça s'appelle? Un gruau aux légumes Solaris? Je ne connais pas cette recette, c'est peut-être la bonne cette fois. Au fait, que ce plat guérisse enfin... Ok. Mamie. Comment c'était, mamie? Très bon, Amboise, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec autant d'appétit. Mamie, ton visage! Il reprend des couleurs à vue d'œil. Regarde, c'est merveilleux! Grâce à ton gruau aux légumes Solaris, mamie est guérie. C'est donc toi qui as préparé ce plat. Sa douce saveur se répand à travers tout mon corps et jusque dans mon âme. Grâce à toi et à Amboise, je crois que je vais pouvoir vivre encore longtemps après que mes deux petites filles... Auprès de mes deux petites filles. Merci. Mamie, tu es sûre que c'est bien prudent de te lever? Elle fait une tête de plus que Link. Ouais, hardcore là. Amboise, ouais. Oh, Cani. Je suis désolé. Ah, c'est la mamie qui parle, pardon. Oh, Cani, je suis tellement désolé pour tous les soucis que je vous ai causés à tous les deux. Mais grâce au gruau aux légumes Solaris que m'a préparé ce généreux jeune homme, je suis tout à fait rétabli. Solaris? Drôle de nom pour un plat. Mamie va beaucoup mieux à présent. Du coup, Amboise, tu ferais bien de te dépêcher de te préparer pour ton voyage. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais vraiment que nous n'avions pas remarqué? Tu veux bien aller étudier la mode au... Tu veux bien étudier la mode au village des limites, non? Mais qui parle? Ok, c'est Cani derrière. Je crois que c'est une bonne idée. Mamie et moi pouvons tout à fait nous occuper des quatre petites mains en ton absence. Cani, tu es sûr de ne pas vouloir y aller, toi aussi? Eh bien, je te mentirais en prétendant que ce n'est pas le cas. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est de faire vivre les quatre petites mains, ici, dans notre cher village, à côté de ma chère mamie. Et puis, mon rêve est de pouvoir un jour vendre dans notre boutique les créations signées par ma petite sœur Amboise. Alors je t'en prie, Amboise, ne te fais surtout pas de soucis. Va et étudie dur au village des limites. Pauvre, elle crève de moi après. Elle crève de moi plus tard. Tu es sûr? Oh, merci, Cani. Et merci à toi, mamie. C'est un tel soulagement que mamie soit guérie. Il me faut à présent préparer la boutique pour recevoir les clients. J'y vais tout de suite, d'ailleurs, le travail m'attend. Au fait, n'hésite pas à faire un tour aux quatre petites mains quand tu auras un moment. Bah, je vais venir tout de suite, parce que si c'est plus 5000... Pardon. Je suis tellement reconnaissante pour ton aide. Je vais préparer beaucoup de gruau aux légumes pour ma grand-mère. Et nous ne pourrons pas tout manger à nous seuls. Je trouve que je l'avais plutôt réussi, alors si tu veux bien, je t'en offre. Cela te fera régaler en route.
Yo Prodigy, comment ça va? Tu l'as toujours pas fini? Bah je prends mon temps gros. Et puis je t'en prie, hein, finis-le avant moi. Hein. Faisons la course. Je trouve que je l'avais plutôt réussi, alors si tu veux bien, je t'en offre. Cela te fera de quoi te régaler en cours. En route, en cours. Là c'est 4999. Allez, fou rire si c'est ça. Je vais travailler dur et un jour je changerai le visage du monde de la mode. Kenny sera fier de moi. Merci pour le petit beat en tout cas Prodigy, j'espère que tu vas bien. Déjà fini moi. Ouais mais moi je joue qu'en stream gros. Je joue qu'en stream. T'inquiète pas que si je... Si je pouvais y jouer quand je voulais, je l'aurais fini. À moitié. Ouais, enfin je fais rien de l'histoire principale hors stream. Je cherche les Korogu et je fais pas les sanctuaires, je les... Je trouve les TP et je m'en vais quoi. Donc je peux pas trop avancer dans l'histoire principale hors caméra quoi. 600, ah c'est quand même plus fair, on va la prendre en entier. Hein. Merci bien, je suis sûr que ça va t'aller comme un gant. Bah c'est un pantalon donc je suis pas sûr. En ce moment les clients qui achètent un de nos articles ont droit à un cadeau spécial. Tiens voilà, tissu chez Ika, cool. Encore merci pour ta fidélité. Maison furtive, 700. Merci, tu regretteras pas cet achat, tu verras. Ils pourraient t'en offrir au moins. Ouais, franchement, après ce que j'ai fait pour leur grand-mère, ils pourraient même m'offrir la tenue, hein. C'est du tissu. Hein. Merci, je vais vite commander de nouveaux articles pour toi. Genre là, leur grand-mère qui a survécu. Ouais, c'est abusé, genre je viens de sauver la vie à leur grand-mère, quoi. Yes, tenue chez Ika, elle est cool quand même. On fait beaucoup moins de bruit quoi. 800, 800, 800. Ouais, c'est un peu cher la tenue Nox. Je sais même pas ce qu'elle fait en plus. Je me rappelle plus. L'humain est ingrat. Ouais, aucune gratitude. Bonjour. Ah, avant il y avait un Korogu ici. J'ai entendu un Korogu, on est d'accord. Ouf. Laissez-moi sortir. Bon. On peut pas monter comme ça. J'ai compris. Bon, on va aller à la petite mine, à la petite usine. Ah bah non, il est là. À la petite usine du coup de golem. Ah! Tu m'as trouvé! À la revoyure! Non, c'est dans les profondeurs du coup. Et tu l'as fini à 100% du coup, Prodigy? T'as fait les 900 Korogu, les 120 sanctuaires, t'as toutes les racines, t'as toutes les améliorations de batterie. Parce que tu me dis tu l'as fini, mais si t'as fini l'histoire, j'aurais pu le faire depuis 1000 ans moi aussi. Justement, j'ai pas envie de rush Ganon et puis après me dire ouais, bah j'ai plus trop de motivation. Alors, on va quand même se rééquiper des armes. C'est aussi pour ça, tu vois, que je rush pas. C'est pour pas prendre mon temps. Y a pas de course. Puis je me prépare pour Ganon quoi, j'ai pas envie d'y aller avec 8 coeurs et une barre de d'endu quoi. Usine de golem. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Admettons. Allons fouiller ce bâtiment.
T'es mort. C'est en berlificoté par ici. Ok, il y a rien en fait. Il y a juste le truc chelou en bas, quoi. Je me suis dit usine à golem. Ça va être un truc de fou. C'est là où, où les golems se font construire. En fait. En fait, y'a que chi, quoi. Peut-être en haut, hein. Ah. C'est dangereux. Abenai. Je te souhaite la bienvenue dans notre usine de golem. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas reçu de visiteurs. Eh bien oui. Notre entrepôt nous envoie des pièces de golems bâtisseurs que nous assemblons. Une fois terminés, les golems sont expédiés à l'île Caput Draconis. J'ai pour rôle de confirmer la réception des pièces et de surveiller le montage. Enfin, pour le moment, je ne fais rien. Les entrepôts ne nous envoient plus de pièces et l'assemblage est suspendu. Je reste toutefois ici car dès que nous recevrons des pièces, le travail pourra reprendre. Ok. Très bien. L'âme de colonel. Ah. Là on parle. Là on parle, mon cochon. Voilà, l'âme de commandant, on s'en fout. Et ça aussi. Tac. Un esprit moyen, un grand esprit. Ok, donc ils ont pas reçu de pièces, mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'aille peut-être à... J'ai pas vu sa petite stèle, attends. Ça ressemble à rien, ça. Ça ressemble même pas aux îles célestes, ni au continent. Chelou, son truc. Pas du tout ce que ça veut dire. Eh bien, je vais reprendre mes activités, attendant ta prochaine visite avec impatience. Mais tu reprends aucune activité puisque tu n'as pas de ravitaillement, mon grand. Lui, il est mort à force d'attendre carrément. Ok. Donc c'est sûrement pas là, parce que s'il attend les ravitaillements, on est d'accord que c'est pas ici qu'il faut aller les chercher. Ok. On a le petit projecteur. Très bien. Bon. Bon, bon, bon. Eh ben, on va aller ailleurs, c'est pas grave. Ah. Il y a de l'eau. J'avais pas prévu ça comme ça.
j'allais tout au bout. C'est parti. On va tout au bout. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Les graines Lumos, les graines Lumos. Elles sont là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ouais, on est dans une sorte de cul-de-sac. C'est une sorte de lac plus qu'une sorte de mer, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bien utile? De prendre le bateau, si c'est un lac qui est derrière l'usine, je ne sais pas. Bon. Waouh. Sacré colonne vertébrale, hein. On se casse pas la gueule. En cas de scoliose, ça serait bête. Il est déjà parti, Prodigy? Ah, il est déjà parti. Chaque fois, il vient, il met un beat, il me charrie. Et il s'en va. Prodigy, quoi. Alors que sur le Discord, il met qu'il est arrivé bronze sur R6, je l'ai félicité, je lui ai mis des emojis et tout, genre en mode GG gros, continue, road to silver. L'autre fois, pareil, il m'a dit vous êtes que cuivre sur R6 ou je sais pas quoi, en mettant un beat pour que son message il soit sur l'écran, tu sais, en mode... Fou rire. Fou rire, frérot. J'apprécierais toujours tes encouragements, Prodigy, en tout cas, ça fait plaisir. Épée de soldat, ouais, on a plus beaucoup de place pour ça. Oh. Bande de merde, vous êtes que cuivre. Moi, je suis bronze. T'es mort. Aïe. Et je suis con. Aile de Kakuda. Tu m'as diverti, toi. C'est bien. Ah. C'est dur, les Kakuda à choper, je crois. Voilà, dans la queue. Dans la queue, y a pas mieux. T'es mort. Allez, un peu de sonium. On va pas dire non. Nickel. Donc le miasme a directement un rapport avec le sonium, on est d'accord. Chaque fois qu'un ennemi est miasmé, il drop du sonium. Je crois que je me mouille pas trop si je dis qu'il y a un rapport. Hein. Ok. Atelier de la jambe droite. Oh, ok. Donc les ateliers sont tout autour de l'usine. Ok. D'accord. Ils sont pas vraiment à l'usine, mais ils sont tout autour. C'est une sorte de mini-temple, j'imagine. Ce qui est un TP. Ah, accès deny. Ok. Why not? Que la séquence C. Ok, donc on peut accrocher sûrement une petite plateforme. Je vois pas où, mais on peut accrocher une plateforme. Ah. Yes.
Ok. Ok, Jean-Jean. J'ai pas compris. Ok. Très bien. Je vois pas, même si je l'emmène, admettons je l'emmène jusqu'en haut, le truc ça change quoi? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien, alors pour faire redescendre un truc, pourquoi pas? Et encore, je le jette et puis je le ramasse, je vois pas trop l'intérêt là. Est-ce que je peux utiliser ça? Réfléchissons, il faut réchefflir les gars. Il faut réchefflir. Au-dessus. Pas grand chose, on dirait. Ah, raté. Raté. On peut peut-être les accoler. Une plateforme un peu plus large. Pourquoi pas. Encore, ça serait bien que je le fasse mieux. Voilà. Voilà. Pas trop mal. Si je fais ça. Que je fais ça. Ok, je peux monter dessus, bon, admettons, je peux monter dessus. Not bad. Mais après. Ok, en plus il y a access denied quoi. Là, il y a un truc qui sert à rien. Mon chat. Dans 20 minutes, j'ai fini, mon chat. Ah ouais, trop bien. Ouais, trop intelligent, non. Trop intelligent, non. Ok. Parce que j'imagine bien la machine. On peut mettre un stabilisateur sur la droite. Parce qu'il y a ça là qui gêne. Ah, ça y est. Voilà, on fait comme ça. On met le stabilisateur, que ça reste comme ça tout droit. N'importe quel ventilo. Et on est parti quoi. Mais ça sert à quoi? Ça me sert à rien de faire ça, je crois. On va essayer, on va essayer. On sait jamais. Se trouve comme par magie, je vais comprendre.
Rampono, j'en ai combien? Merde, c'est l'autre côté. J'en ai 6, ça va. Ça va. Donc, Rampono, hop, pour le stabiliser. Ça, pour le faire avancer. On le cale. Non, on le cale pas, du coup. On l'active. Je vois vraiment pas à quoi ça sert de l'avoir fait monter. Ok, on l'a fait monter après quoi. Ça m'a l'air un peu plus compliqué déjà ces petits temples là. On a de la racine en haut mais j'ai l'impression que c'est de la déco. Bon, on a monté le truc déjà, c'est pas mal. On a une partie déjà de la de l'énigme. Ici ça m'a l'air d'être enfouite. On va voir au dessus là, on est loin. Oulala, ah ouais, ça nous emmène loin. Mon chat, s'il te plaît, sois gentil, sois sage. Lulu, t'as à manger! T'as à manger! Arrête les caprices! Je vous jure, prenez un chat, c'est indépendant, on vous dit. Ouais, ok. Waouh, mais c'est immensément haut. Immensément haut. Pourquoi j'ai eu access denied d'ailleurs? Ça veut dire qu'il faut que je fasse d'abord d'autres membres que la jambe gauche, ou je sais plus où on est. Peut-être qu'il y a un ordre. Access denied, c'est un mode non. Tu es le roi d'Hyrule, tu ne peux pas. Parce que notre bras, c'est celui quand même du fondateur d'Hyrule, donc. Ah, peut-être. Non, en même temps. Ici. Ah, ça nous a reset le truc. On allait trop loin, super. Ça, c'est un peu pourri aussi, je trouve. Et t'es hors limite. Ça efface ton truc, c'est nul. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Arrête de sautiller le son. Ok. On va avoir un truc là. Non, pas tellement. Juste une plateforme. Pourquoi une plateforme pourquoi? Jamais j'atteins ça juste avec une plateforme militante.
là c'est l'entrée. Atelier de la jambe droite. Je suppose qu'ici du coup. Allons voir. C'est l'atelier de la jambe gauche. Ça doit être au bon endroit, en bas à droite, sans jambe droite, en haut à droite, bras droit, etc. Je pense. Hein. Ces sautillements de l'enfer là. Oula. Comment ça freeze? Ça a carrément freeze. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Désolé. Ok, donc comment on rentre ici? Atelier au bras gauche. Bras gauche, pardon. Ouais, ça me... Ouais, ok. Atelier du bras gauche, ok. Je m'explique pas tellement comment on y rentre. On va faire le tour. De continuer en dessous puisqu'on voit une forme blanche qui va sous l'eau alors qu'on devrait avoir de l'eau. Ou alors c'est en haut et je suis débile. C'est possible que ce soit en haut. Ouais. Oh, un dragon. C'est quoi, c'est le dragon de foudre, ouais. Oh oh oh. C'est dommage. Je pensais qu'on pourrait faire l'usine de golem plus rapidement, mais ça m'a l'air d'être long. Quoi? Je crois que c'est des... Ouah, je crois que c'est des gens pendus. C'est des squelettes, quoi. Je me suis dit, sympa leur usine. Ok. Ok, ok, donc non. C'est sûrement par au-dessus qu'on y rentre. On va essayer de faire celle-là, il reste 10 minutes. On va essayer de faire celle-là. Viens au point de DPR. Ok. Là, on est quand même au sommet, j'ai l'impression. Sommet du bordel. Ouais, non. À part au-dessus. C'est ce qu'on vient de voir là, je crois que c'était les squelettes.
Ok. Par ici, il y a une grille. Ah, c'est ça l'entrée. Nickel. Qu'est-ce que je suis encore en access denied? Exact. Donc, on va monter. Ah non, c'est la porte. Ok. Ok. Ça, on peut le passer en fabriquant une plateforme avec de l'eau. Là, on a un ventilo. C'est quoi le ventilo? Non, on n'y a pas accès tout de suite. Ok, alors. Hop. Ok. Ok. On va se faire un énorme pont, hein. Je pense que c'est le must. Je vais la manger dans l'autre sens. On va faire une deuxième petite plateforme qu'on collera. Ok. Ça là. Ça on tourne. Le petit guidon. Non. Parfait. Ah. Pourquoi on peut pas? Et voilà. Il m'en manque un peu. Pas de soucis. Pas de soucis, on en fabrique. Cette place. Je crois que c'est bon, hein. Je crois qu'il manquait pas grand chose. Ich.
c'est compliqué. Ouais. On va prendre juste cette partie là, est-ce que ça rentre? Pile poil, ok, c'est pensé pour. Parfait. Par contre. Une roue. Il est même pas assez large pour le coincer. Ok, j'en prends une autre du coup. Dans le même sens, c'est mieux. Qui me consomme, c'est le jet d'eau encore. Non, je pensais le bloquer avec les deux roues comme un ascenseur vertical, quoi. Mais visiblement. C'est pas comme ça. Ok. Peut-être qu'il faut que j'écarte un tout petit peu la roue, je sais pas. Comme ça. Bon, réfléchissons. Faire un pont. Toutes des conneries, hein. Mais... Ah mais il y a ça qui est dessus. Attendez, je vais tirer sur le truc là parce que ça me consomme ma batterie, c'est un peu nul. Touche pas là. Quelle horreur. Ok, bref. Du coup, si je le glisse là, ce truc. Ouais, ça se trouve, je me galère. En fait, faut juste faire un pont, hein. On va du coup ressortir un déverseur. On fait ça et puis on arrête, hein. Okay. On va pouvoir le faire glisser du coup, je suppose. Ok, ça part là-bas, super.
comme ça. Rotate la petite plaque. Et du coup, on peut encore l'allonger. Ok. Ça va être long. Enfin, ça va être long. Ça va en demander des filets. Des filets, des plateformes en pierre, des filets quoi. Donc, à quel moment je pense à un filet? Ah non, tu t'en vas pas toi. Non. J'ai besoin de toi mon ami. Oh, j'ai hâte que ça coupe le truc là. Comme ça l'autre là-bas il va s'éteindre. Hop. On le pousse. Comme le matin, on le pousse. Ok. Ok, ça a pas l'air de vouloir se remettre droit, c'est pas grave. Même non, voilà, attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Ok, ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon. Ok, ça va, c'était pas si long que ça, je pensais qu'on allait devoir encore en créer. Ok. Là on a une petite échelle, on va aller voir, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit levier sur la porte. Qu'est-ce que tu me fais, Link? Ok. Oh. Un esprit démesuré. Oh non, va falloir le porter. Ok, là on a un levier. Non, c'est la porte que je vais soulever. Si on enlève, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Petit coffre, on le prend. Du sonium. Je vois pas bien à quoi servaient les ventilos de toute façon, donc je vous avoue, ça change pas grand chose à ma vie. Et là, on a la sortie, d'accord. La sortie, ce qu'on a vu tout à l'heure de l'extérieur. Ok, donc je pense qu'il faut qu'on aille là-bas. Ça. On monte ça
fait Riverso. Et on essaye de le choper. Non, ça marchera pas. Par contre, ce qui peut marcher. Ah. Par contre, voilà, un truc qui me saoule. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans le temple. Là, je suis dans le temple, quoi. Mais mes diffuseurs d'eau sont. On despawn. Que ça despawn quand je sois loin, c'est normal. Le jeu, il va pas sauvegarder mes machines. Il y aurait des exploits de monstres à faire. Et puis, ça serait une perte de. De performance, tout ça. Mais quand je suis dans le même donjon, s'il te plaît. Laisse-moi mon machin, quoi. C'est un gouvernail, pourquoi pas. Ok. J'ai pas compris le rapport avec... avec ça là. C'est juste pour faire joli. J'ai l'impression hein. Du coup on va activer dans l'autre sens hein, je sais pas. Peut-être qu'il faut inverser les turbines. Ok, ça a l'air de le faire tout seul. Là pareil. On inverse le régime. Là, on a une gouvernail, je sais pas pourquoi. Ok, ça se met à tourner dans l'autre sens, c'est très bien. Très bizarre ces usines là. Je vois pas vraiment. Je vais essayer de mieux regarder. Parce que là, pour aller jusque là, c'est clair. Avec les ponts, les machins, bon, même si c'est pas la solution, c'est plutôt clair qu'il faut faire un truc dans le genre. Mais genre là, à partir de là, je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Ça boucle sur le début, donc je vois pas. On est d'accord qu'en face c'est le coffre qu'on vient d'avoir avec les gouvernails. Est-ce qu'il faut aller en dessous? Non, il y a l'air d'avoir des grilles. Attends, c'est un peu étrange cette cassure hein. Ça se fait. D'où viennent ces trucs de lave là? Les trous, mais. D'où viennent ces bordels de lave? Et pourquoi m'avoir donné une roue? Peut-être. Peut-être pour les ventilos. Enfin, pour les ventilos. Les faire tourner. Non, on les colle pas à l'arrière comme ça. Non. Non. Ça, on peut pas le monter plus haut aussi, c'est bizarre.
Et ça, on peut les équiper à quelque chose. Je vois pas à quoi ça sert, ça. On se bloque comme des débiles, on est d'accord. Pas bien qu'on pointe. Non, non, en plus c'est bien montré qu'on peut pas le fusionner là. Pourquoi quand je les ai chopés, ils ont tourné, ils ont commencé à consommer ma batterie aussi, ça c'est bizarre. Ça a pas inversé le débit de l'eau, ça a pas inversé le débit de la lave, ça l'a pas arrêté. Ici il y a un truc, mais enfin. Ouais, non, c'est rien. Franchement, pas très créatif. Aïe. Ah, oui, d'accord. J'ai du mal à comprendre. Bon, je pense qu'on va pas réussir à le finir avant 3h30 de live. On va s'arrêter, je pense. Je regarde encore un petit peu. Je pense qu'on n'est pas non plus trop loin. Ah oui, c'est pour bloquer la porte, les roues. Ok. C'est bien ce que je pensais. Activer ça des trous. Ouais. Il faut activer l'autre en même temps. Dans l'eau. Non. Ils sont hyper compliqués les temples, hein. Enfin les usines. C'est genre compliqué pour rien, quoi. Je vois pas trop. On va bloquer la porte et puis on va voir si ça change quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait. Ah ouais, et puis moi comment je retourne là-bas? Super. Fais gaffe à pas trop brûler non plus. Je pense que si je me mets là, je suis plutôt à l'abri. Yes, c'est bon. J'aurais pu faire ça dès le début. Ah. Tiens, on va utiliser la roue du coup pour bloquer la porte, même si ça va changer rien du tout à notre problème, on est d'accord. En dessous, c'est de la lave, donc je pas qui nous demande de faire ça. La
roue elle est là. On la fusionne comme ça à la porte. Dans l'autre sens c'est mieux. Non. Non, ça c'était mieux du coup. J'imagine. J'avais raison. Non, c'était pas en ce sens-là. Ça tient la porte déjà. Maintenant que faire? Dans 10 minutes on arrête. Dans 10 minutes on arrête, quoi qu'il se passe. Donc dans 5 minutes. Dans 5 minutes j'arrête. Ça reboucle. Quand on fait tourner les ventilos dans l'autre sens, j'ai l'impression que ça ne change rien. Mais genre rien du tout. Donc on va faire ça, on va speeder en haut. On speed, on speed, on speed. Speed en haut, est-ce qu'il y a un truc qui change en haut, quelque chose qui s'active, une trappe qui s'ouvre, je sais pas. Visiblement rien. Et ici j'ai l'impression que visiblement rien non plus. C'est chaud. Hein. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucune indication. Très bizarre. Très bizarre ces usines où on a vraiment rien qui nous indique ce qu'il faut faire. Là, un peu plus, j'avais vraiment une impression qu'on progressait au début. Et puis là, la dernière salle, je comprends pas. Je comprends pas ce que ça offre, ces deux ventilos à la fin. En quoi il nous aide ou pas, surtout qu'on est d'accord, on ne peut pas les enlever. Ou alors il en faut un dans un sens, un dans l'autre, je sais pas. On va essayer les deux combinaisons avant d'arrêter. Que ça fait quelque chose, c'est pas juste là comme ça pour faire joli, je pense. Ou alors c'est très mal pensé. Ah. Je pense qu'on sort en haut là où on a vu tout à l'heure. Oui. Ça n'a pas l'air d'ouvrir quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit.
Ou alors il faut que j'active un truc en entrant là au début avec le l'accès refusé. Et pour ça il faut que j'en fasse un d'abord où j'ai pas besoin de l'accès, je sais pas. Ou alors il me manque un truc. Il me faut quand même l'accès. Sinon ça sert à rien. J'ai pas envie de me spoil avec des solus, hein. je regarderai pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose ces petites turbines. On va sauvegarder ici. Et puis demain, on continuera. On essaiera de passer les usines. Ce sera notre goal de la session. On essaiera d'en faire au moins deux, ce serait cool. Moi, je vais pas regarder les solutions. Hein. Je vais essayer juste de cogiter, d'essayer de réfléchir à quel pouvoir j'aurais pu ne pas penser à utiliser à un tel ou tel moment. Je crois vraiment pas. Si je me spoil un truc, ça sera juste pour voir si effectivement il faut que j'ai l'accès au début ou si là je vais juste réfléchir pendant une heure et perdre mon temps. Mais dans tous les cas, je ne chercherai pas la soluce. Je regarderai juste si j'ai les prérequis pour faire ces usines quoi. Parce que là, franchement, je ne vois point. Passer là, ok. Mais alors là, la pièce d'après, je ne vois point. Bon, accès refusé. Écoutez, on va s'arrêter là. Je regarderai s'il faut un prérequis du coup qu'il faut bien activer d'abord l'hôtel avant de faire l'épreuve ou est-ce que l'hôtel c'est le truc final et que quand tu résous l'énigme ça s'active. Je regarderai comment ça fonctionne parce que j'ai pas l'impression de bien comprendre. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui ont été présents sur ce petit live, Théo. Et puis même Prodigy, si tu viens à chaque fois pour te foutre de notre gueule, écoute, t'es quand même le bienvenu. Ce serait cool que tu passes pour plus d'une seconde, parce qu'à chaque fois tu passes en coup de vent, tu lâches un beat et puis tu t'en vas. Donc bon, ce serait bien que tu viennes assister un petit peu au stream, qu'on discute. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à follow la chaîne, on arrive bientôt... Bientôt, on arrive doucement vers les 100 follow, c'est vachement cool, on est à plus de 70, on arrive bientôt à 80. Donc on s'approche des 100 follow et du release du coup de And She Led Me To The Moon, mon dernier album en date. Donc bombardez-moi ce petit bouton follow si vous voulez, si vous voulez écouter ce petit album sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater les VOD et puis pour pouvoir écouter ma musique, voir un petit peu tout ce qui est en rapport avec mon boulot. On reprend d'ailleurs cette semaine les lives sur Unity, les lives de développement, plus en général. Je vous ferai peut-être des lives aussi sur Gimp, sur DaVinci et sur Reason, voire sur Vocaloid aussi, puisque j'ai appris à utiliser ce logiciel. Donc on fera peut-être des petites sessions, même un petit peu, où on touchera à tout. Je me mettrai en art plutôt qu'en développement logiciel, on verra. En tout cas, cette semaine, on va reprendre un peu d'Unity. On va voir la fin de Swiss Knife, donc les shaders, ça va être une mise à jour graphique. Donc voilà, on va rendre le jeu plus beau. On va peut-être s'inspirer un petit peu justement de certains équilibrages de la lumière qu'il y a dans Zelda, même si effectivement il est un petit peu sombre, un petit peu terne, je trouve, par endroits. Swiss Knife est un peu plus pétant au niveau des couleurs. On va quand même s'inspirer au niveau de la qualité des ombres. Je trouve qu'elle est plutôt bien gérée au niveau du cel shading. Donc peut-être adoucir légèrement le cel shading de Swiss Knife.
pas pour copier Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais je trouve ça plus équilibré et plus joli à mon goût. Donc, vu que je suis le directeur artistique, c'est mon goût qui prime. Donc on verra ça ensemble. Cette semaine, normalement mercredi, pour couper la semaine en deux. Donc demain, on se retrouve pour la continuité donc de Let's Play Tears of the Kingdom. Jeudi, normalement, il y a un live Rainbow Six. Enfin, je dis normalement, mais oui, il y a un live Rainbow Six. Du coup, on sera avec Théo. Peut-être Mister Demi, peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. On verra. Et vendredi, on a le live Dragon Ball de Breakers. Avec peut-être Houston Oroz qui nous rejoindra en début de live. Ou en fin de live, selon lui, ses horaires. Mais peut-être pas toute la totalité, c'est pas grave, ça nous permettra de tag en flexible et du coup de jouer aussi Raider un petit peu dans la soirée. Écoutez, voilà, vous avez un petit peu le planning de la semaine. Je sais pas encore quel shader on va faire, quel modèle on va commencer en premier. On verra, hein, on fera ça au feeling sur Swiss Knife, on fera ça au fur et à mesure, peut-être niveau par niveau ou préfab par préfab, on verra. Je sens que vous verrez bien comment ça se goupillera. Ça sera basé de toute façon cette leçon sur les shaders, l'esthétisme, l'éclairage, les ombrages et voilà la direction artistique en quelque sorte d'un jeu. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on peut faire pour modifier ce qu'on appelle vulgairement les textures, qui sont en fait des matériaux, on l'a déjà vu dans d'autres tutos Unity. Écoutez. Merci encore une fois pour votre fidélité, merci à tous ceux qui likent la petite vidéo sur YouTube, vous êtes des monstres, ceux qui viennent me parler un petit peu sur le chat pour me tenir le crachoir, vous êtes des monstres, vous êtes les gars sûrs de ce crew. Je vous fais tout plein de bisous, c'était No, votre âme serviteur, on se retrouve donc demain à la même heure pour la suite de ce petit let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Jusque là, bonne soirée à tous les couchetards. Bonne nuit à tous les couchetots, bonne app à tous les fous qui, comme moi, n'ont pas encore mangé. Et je vous laisse avec le petit ending en mode animé.